Bonjour à tous, Jean-Jacques Hubert, Antoine Santiar, de vous remercier pour l'invitation. Donc on va vous présenter une opération qui est pour nous maintenant ancienne, mais qui est pour nous une valeur de référence encore à l'agence. Juste en introduction, tout projet, en fait, il y a toujours trois paramètres, ça paraît bête de le dire, mais il faut le répéter. Qui nourrissent le projet, pour nous, c'est les éléments de contexte qui sont très forts, surtout qu'on est une agence où on a des architectes et des architectes de patrimoine. Alors nous, on est juste architecte. Il marche pas du tout là. Alors je me colle comme ça. C'est mieux comme ça. Voilà, donc je vais parler moins vite en même temps. Donc par rapport aux trois éléments qui portent le projet, qui sont le contexte. Donc je parle du contexte, c'est important parce que nous, à l'agence, on a des architectes de patrimoine. Alors là, nous, on est entre guillemets qu'architectes. Il y a aussi la qualité d'usage proposée du projet, hein, qui est toujours porteur. Et puis ce qu'on appelle maintenant nous le bien construire. Alors le bien construire, ça s'est appelé, moi j'ai fait mon diplôme sur la haute qualité environnementale, ça s'est appelé l'HQE. On a parlé de développement durable, on parlait d'environnement. On a quand même la chance, mais j'imagine que vous avez bien vu aujourd'hui, malheureusement, pu pas suivre ce matin les échanges, mais la question de la qualité constructive, elle revient en force là, depuis quelques années. C'est relativement court quand même. Donc, ça, c'est quand même une grande chance. Donc, le contexte de cette opération, c'est une personne de 32 logements. Dans le 15e arrondissement, le porteur de projet, donc le promoteur, c'est Sibex, qui est un promoteur, alors différent de Verreca ou même différent de l'époque de Franco-Suisse, hein, qui étaient des promoteurs habitués à construire en pierre. Le promoteur nous a fait confiance donc, sur cette matérialité qui était inconnue de lui. C'est un site qui est relativement enclavé. Donc on se situe, vous allez voir, entre un immeuble, donc on est en R plus 10 d'un côté, R plus 3, 4 de l'autre côté. On devait s'insérer, donc ça c'est la vue de face. On devait s'insérer comme ça entre ce R plus 10 qui est à ma gauche, qui est à ma droite, pardon, et puis cet immeuble d'habitation qui était préexistante. Donc ça, ce contexte, on avait cette chance d'avoir cette construction qu'on a conservée. Et cette construction, en fait, il a fallu à la fois dialoguer. Quand je parle de cette construction, je ne sais pas si on a un pointeur. Voilà. On parle de cette construction-là. Ça a permis d'ouvrir, vous allez voir, des vues. Donc, ouais, c'est un dialogue qui est extrêmement important pour nous, c'est les questions donc, du contexte. D'habitude, je continue sur la qualité et la valeur d'usage. Et là, pour la spécificité de cette présentation aujourd'hui, on parle de pourquoi la pierre massive. Je l'ai dit, c'était un concours il y a quelques années, gagné en 2013. Les enjeux de décarbonation, des chiffres qui ont été présentés tout à l'heure, qu'on a tous en tête aujourd'hui, étaient moins prégnants, en tout cas moins affichés. Donc pourquoi la pierre? On avait l'habitude, nous à l'agence, de travailler quand même sur des projets urbains et aussi des aménagements. Et on utilisait cette pierre. Donc, par exemple, c'était à l'Assemblée nationale, on utilisait la pierre de Conventien. À Évreux, donc on avait parmi les cathédrales d'Évreux aussi, on avait une pierre calcaire. On utilisait ça régulièrement dans l'aménagement urbain. Et puis évidemment, pour la partie plus patrimoine, on a les architectes de patrimoine de l'agence. Régulièrement, on va en carrière de pierre, choisir la pierre, dialoguer avec les pierreux pour trouver la bonne pierre sur les monuments. Donc c'était un peu une évidence pour nous. Déjà parce qu'on connaissait ce matériau et c'était pas pour nous prendre un grand risque puisque voilà, en fait Paris était aussi construit en pierre, donc assez naturellement s'est orienté vers ça. Il a fallu convaincre le promoteur, donc Sibex une fois de plus, voilà, qui nous a fait confiance. Ça n'a pas été toujours très simple. Je sais que la Cœur de Maillan est la personne qui est représentée dans la salle, je ne la vois pas, mais il y avait quand même, à l'époque, je me souviens, c'était Franco-Suisse hein, qui travaillait beaucoup avec la Cœur de Maillan. Donc on arrivait quand même derrière des gens qui avaient un vrai savoir-faire. Alors, ce n'était pas un immeuble assez courant, on est sur du R plus 9, et donc construire comme ça en milieu dense du R plus 9, ce n'était pas si courant. Bon, voilà, la pierre, un peu résumé rapidement. Bon, je ne vais pas passer les chiffres parce que ça a été déjà affiché, hein, on est sur les mêmes. Je ne veux pas vous reparler de la proximité de la carrière. Pourquoi cette carrière? Évidemment, parce que la Saint-Maximin ou la Saint-Pierre-Aigle, ça a bâti en partie la ville de Paris. Donc voilà, donc tout ça, vous le connaissez. La proximité, l'économie d'énergie. Alors, si on parle un peu d'architecture, en l'agence, on aime bien travailler des volumes relativement simples, mais quand même toujours intégrés au contexte ou qui viennent dialoguer comme ça, avec ces jeux de vue, vous allez voir. Et puis aussi, l'idée de la monomatière. Ça, c'est à travers les projets, que ce soit par le bois, que ce soit par la pierre, que ce soit par d'autres matériaux, on aime bien en fait l'idée
que de cette monomatière, comme ça, que le projet puisse tenir par une seule et même matière, ou un seul même mode constructif, voilà, pour qu'il garde une certaine lisibilité. Les premiers dessins donc, en volumétrie, d'articulation, avec, je me suis entendu, tu as bien montré les articulations avec ces bâtiments des années 70, donc on est venu en accompagnement, on est venu s'adosser, on a créé aussi la couture avec cette habitation. Passer peut-être. Voilà, avec quelques vues en plan, donc c'est des logements qui sont à la fois en accession, il y avait aussi du logement social qui est porté par la RIVP. Donc, je vous l'ai dit, c'est une parcelle à enclavée. Donc, on a travaillé sur un plissement de façade pour pouvoir ouvrir des vues, offrir des perspectives variées. Et puis, en fait, quand on monte dans les niveaux, comme ça, notamment sur le R+5, où petit à petit, on émerge au-dessus de l'habitation, et du coup, on a pu ouvrir tout un champ de perspective par-dessus les toits voisins. Donc ça c'est une chance assez rare hein, quand même, parce que souvent on a quand même beaucoup de projets, on est contenu entre deux immeubles. Donc là on avait cette ouverture par-dessus les toits. La différente vue, puis on monte et petit à petit les choses émergent. Évidemment le travail en plan pour trouver des qualités d'usage. Alors avec vous allez voir des principes de loggia ou jardin d'hiver qui prolonge comme ça le logement à l'extérieur ou des terrasses. Donc ce jeu de volume aussi, il permet comme ça ce jeu de terrasses. Et ils sont tous quasiment doublement orientés ou traversants. Quelques dessins. Donc la vue de face en bas à gauche avec ce jeu de cascade. On peut dire coupe urbaine ou d'articulation. On est juste un mot parce que sur la construction était particulière. C'est-à-dire qu'on a quand même un parking. Donc il y avait. On ne s'était pas lancé sur ce qu'on fait aujourd'hui maintenant sur des planchers mixtes ou sur des différentes possibilités constructives là, qui s'ouvrent aujourd'hui d'aller encore plus loin. Donc on est assez sommairement quand même sur une structure poteau plancher béton. Et donc la façade en pierre, elle vient en fait, elle est, on dit semi-porteuse, donc c'est 24 cm, donc elle vient se porter d'étage en étage. Donc cette structure béton est quand même très pratique encore pour couler des parkings, mais évidemment, ce serait à refaire aujourd'hui. On emmènerait un peu les curseurs plus loin. C'est-à-dire que ça c'est important, on va en parler après sur une ZAC qu'on porte à la Chapelle Charbon, où en fait, à l'agence, c'est un peu, on fait marche après marche. Voilà. On va pas essayer de révolutionner, mais on essaye de progresser à chaque fois. Ça, c'est le calepin de pierre donc, qui est issu d'un travail à plusieurs mains entre celui qui a fait la pose de pierre, donc c'est LM, hein, c'est ça, je dis pas de bêtises, Antoine. MJ, pardon. Et puis la carrière de Noyant, et puis nous à l'agence, donc avec ce principe de grand Lego, avec toutes les pierres étant numérotées, donc ça fait l'objet d'aller-retour, mais une fois que c'est mis en place, c'est quand même, tout à l'heure ça a été dit, c'est un gage de rapidité, c'est un gage de moins de nuisance, et c'est vraiment très, très satisfaisant en fait de voir cette construction qui se met en place naturellement. Donc, l'idée de ces volumes avec cette matérialité simple, alors, nous, en fait, sans doute, par la connaissance un peu du patrimoine, alors peut-être que M. Boutel le dira différemment, mais pour nous, un bon appareillage, on ne voit pas trop les joints. Donc, en fait, on a mis en place, je fais un aparté, vous verrez en photo, on a mis en place un appareillage avec des joints fins de couleur ton pierre. On n'a pas cherché l'expression de la pierre, comme peut-être qu'on le fera aujourd'hui plus sur. Voilà, pour affirmer cette construction en pierre, on a ce jeu de volumes en pierre qui sont plutôt simples, comme je l'ai dit. Et après, on a un jeu de percement avec différents, où chaque ouverture reprend en fonction des usages. Donc, il y a cette progressivité qui se met en place. Par moment, on a aussi la pierre donc, qui se met en allège. Tout à l'heure, ça a été dit, évidemment, la qualité constructive nécessaire, c'est de bien couvrir aussi les appuis. Donc, avec. Un mélange d'appui, un mélange d'appui en pierre, d'appui en zinc. On a des retraits de façade qui libèrent des terrasses. Alors avec la question aussi de ce deux garde-corps hein, que vous verrez tout à l'heure qui file, mais en retrait pour un peu maîtriser aussi les usages de ces terrasses. Les menuiseries sont en bois. Un principe de jardin d'hiver et loggia dans les angles dès que c'est possible. Alors quelques vues de la carrière, donc du travail de préparation. Après le débit de mise en palette avant d'être envoyé sur le chantier. Quelques vues de chantier, ça, comme je vous le disais, c'est quand même pour un architecte,
C'est vraiment d'une. On a fait une surélévation en bois, je fais un aparté sur un projet à 3 étages où c'est pareil, c'est comme. Ça va tellement vite, c'est incroyable en fait la capacité et la rapidité de mise en œuvre et de précision que propose ce matériau. Avec donc les découpes ponctuelles, vous voyez sur la photo de ces poteaux qui sont semi-engagés, les poteaux béton qui tiennent les niveaux et les décalages. Différentes vues de. Le processus constructif, il est assez simple quand on a une structure mixte comme ça, c'est-à-dire que ça se monte de manière logique, mais je préfère le préciser niveau par niveau. On monte la pierre un niveau, les poteaux semi-engagés sont coulés dans les réservations que vous voyez ici, typiquement. Les nœuds de plancher sont semi-engagés sur les plates-bandes du haut. On coule la dalle, on remonte le niveau du dessus. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça un système mixte, et donc c'est une structure qui est porteuse en béton avec une façade qui elle-même est porteuse en pierre et qui se porte de niveau en niveau. Un dispositif de finition qui a déjà été un peu expliqué, les chemins de fer, c'était une des inquiétudes du promoteur qui a quand même eu l'habitude de monter du béton. Et en général, ça se finit avec un isolant extérieur et une vêture, quelle qu'elle soit, que ce soit un enduit ou un bardage. Et quand même, ce qui est peut-être une grosse différence fondamentale dans la mise, dans la marche en avant d'un chantier comme ça, c'est que une fois que le volume est monté, il y a une passe de chemin de fer et puis c'est fini. C'est-à-dire qu'on échafaude et le projet il est là, quoi. On n'a pas besoin de remonter après le béton un échafaudage, on n'a pas besoin de re-isoler par l'extérieur, on n'a pas besoin de. Donc quelque part on perd du temps à monter, mais une fois qu'on a perdu ce temps. Les volumes sont là, le projet il est fait, on échafaude, c'est fini. Et il y avait aussi dans les éléments quand même un peu d'argumentaire pour convaincre un promoteur qui n'a jamais fait ça de sa vie. Donc on a vu Verrecchia qui sont des grands spécialistes et donc qui savent porter, qui engagent ce mode constructif. Mais c'est aussi que c'est un bâtiment parisien, il a un caractère relativement intemporel. C'est une écriture contemporaine mais qui s'inscrit un peu au fil de la rue, limite le bâtiment. Il est un peu invisible, c'est quelque chose qui nous va très bien. Et puis en même temps, les gens qui achètent ces bâtiments, ces logements en accession, ils ont pour le coup réellement, ils sont en train d'investir dans de la pierre, mais de la vraie, pas juste l'expression qui dit investir dans la pierre. Et ça confère une qualité et un confort au sein des espaces intérieurs qui est quand même inégalable, c'est-à-dire qu'on va largement au-delà d'un mur béton avec un doublage intérieur et un placo. Il y a ce caractère un peu perspirant de la peau, il y a toute cette une sorte de sensation intérieure qui n'est pas tout à fait la même, quoi. Je te prolonge, moi je te coupe, mais il y a, par rapport au plaisir de construire aussi, ça c'est quelque chose qu'on voit à l'agence où en fait il y a un peu deux mondes. On navigue entre deux mondes, entre le monument historique et puis la partie plus projet. Et sans caricaturer, parce que c'est pas du tout mon propos, mais il y a quand même dans le monde du monument historique, sur les chantiers, où il y a des savoir-faire qui sont extrêmement pointus, puis il y a des gens qui sont très heureux de travailler où ils travaillent. Et c'est assez incroyable en fait de voir cette motivation et cette qualité de restauration, de savoir-faire. Et des fois, c'est vrai que nous, on se retrouve sur certains chantiers où, avec des gens qui posent du placo plâtre qu'on ne peut plus en poser, ou je caricature à peine. Et là, en fait, quand dans l'architecture contemporaine, on peut comme ça réinjecter des qualités constructives et un vrai plaisir de faire, je pense que voilà, ça c'est vraiment des choses qu'on souhaite continuer à pousser. Petit détail en haut à gauche, donc de la petite feuillure qui est réalisée in situ avant l'arrivée des baies. Alors ça participe de ce savoir-faire dont parlait Jean-Jacques. En fait, il fait ça hyper bien, hyper vite. Et s'il le fait mal, on peut pas reprendre, on peut pas recouler un bout de béton, remettre un bout de mortier. Donc il y a une précision dans le geste. Il y a aussi souvent un accompagnement dans le cadre de la formation. C'est des entreprises qui sont assez engagées pour faire en sorte que le savoir-faire se perpétue. Et donc, il y a un réel plaisir en fait à contribuer à ce genre d'opération. Du coup, on a une série donc de détails sur évidemment sur chacune des baies, que ça peut paraître très simple, mais chacune a son sens par rapport aux usages, comme je l'ai dit. C'est des museries en bois, avec des détails constructifs sur les jardins d'hiver, les loggias,
ça donne donc ces vues intérieures des logements, donc ces vues en angle comme ça qui permettent d'ouvrir des vues à tout niveau, hein. C'est-à-dire que évidemment, si je vous montre, je crois qu'on l'a pas mis, les vues du dernier niveau, on a des vues assez incroyables, mais même dans les niveaux bas, on arrive à dégager des vues transversales. Ah si, j'ai mis la vue du haut. La tour Eiffel. Voilà quelques vues du projet dans son insertion. Alors, c'est des vues, on aime à dire, qui sont assez peu démonstratives. Je le répète, je pense qu'on peut passer devant sans le voir, et je pense que c'est aussi intéressant d'assumer cette forme de banalité, mais juste de bonne intégration. Avec l'appropriation de certaines terrasses. Et c'est là où la monomatière est importante pour nous, c'est que quelque part les usages peuvent se développer, la perception du projet pour nous reste claire. Donc je vous parlais des joints qui se voient, qui sont très peu perceptibles. Donc ça reste une parcelle comme assez complexe, vous le voyez. C'était aussi un chantier assez dense. Voilà. Et on voulait terminer. Donc on est architecte, on fait aussi. On a eu la chance de travailler sur la caserne de Reuilly en réaménagement urbain comme coordinateur. La caserne de Reuilly, c'est dans le 12e arrondissement. C'est un bâtiment qui est. C'est un projet urbain qui était porté par cette caserne qu'on a conservée. Et donc c'était un projet qui s'appuyait fortement sur ces éléments de patrimoine. Et donc on a la chance en fait de travailler sur la future ZAC Chapelle Charbon dans le nord de Paris. Et du coup, tout à l'heure, je vous ai parlé du contexte, de la qualité d'usage et puis de la qualité constructive qu'on avait poussé à la caserne, mais le contexte étant quand même l'élément prédominant. La ZAC Chapelle Charbon, il nous a semblé en fait qu'il fallait une fois de plus pousser un peu les curseurs plus loin. Et avant de parler même du projet même, ce qui nous semblait important de dire, c'était que c'est pas parce qu'on a construit en pierre qu'on va construire qu'en pierre. C'est pas parce qu'on a fait une surélévation en bois qu'on va faire que du bois. Et quand la pierre est apparue, quelque part tout le monde veut construire en pierre. On sait très bien que même si les ressources en Île-de-France sont forcément, évidemment, sont suffisamment présentes, on sait que derrière il y a forcément un goulet d'étranglement. Parce qu'il y a les enjeux économiques, ça a été un peu dit tout à l'heure, si tout le monde veut tout en même temps, au même moment, on ne va pas s'en sortir. Et donc du coup, le postulat, c'était de se dire, ok, bon, allons, donc on a travaillé avec Franck Boutet, la ingénierie et les équipes, se dire comment on peut, un peu comme l'a dit tout à l'heure la personne de chez Verica, comment on peut aussi aller voir les autres principes de biosourcés et géosourcés. Et donc, la particularité de ce projet urbain, c'est que c'est devenu, d'un moment, quand vous faites une fiche de l'eau, vous racontez les éléments de contexte, de programme, voilà comment vous les construire, les buts à atteindre. Et là, on a intégré au sein du cahier des charges des valeurs de qualité constructive à atteindre, qui sont assez fortes. Mais pour ce faire, il a fallu faire une étude un peu poussée en amont pour pouvoir donner des critères. Donc c'est un projet urbain sur lequel nous, on intervient en tant qu'architecte urbaniste, qui est porté la globalité, y compris l'aménagement des espaces publics par base, paysage. On est aussi associé à Grau et à IGIS, le bureau d'études. Donc ça, c'est pour le volet un peu opérationnel du projet de la ZAC. Et donc, le but, c'était de se dire que ce projet s'appelle Chapelle Charbon. Bon, il y a le mot charbon. Tout le monde a rebondi dessus, on s'est dit, on va l'appeler, ça va être un projet zéro charbon. Et donc sur cette petite blague, on a réussi à répondre à un appel à projet issu de la région Île-de-France qui nous a permis de développer une grosse étude portée aussi par notre maître d'ouvrage qui est Paris Métropole Aménagement pour essayer de mettre en place une sorte d'outil ou de boîte à outils qui nous est très utile, qu'on imagine être assez utile aussi pour les futurs concepteurs qu'on est en train de sélectionner, il y en a certains ici dans la salle, pour répondre à la réalisation, à la conception de ces lots qui sont du logement, pour différents bailleurs et promoteurs d'ailleurs. Et donc, on a réuni cette équipe, dont parlait Jean-Jacques, complémentaire donc à celle avec laquelle on fait la ZAC, c'est-à-dire LM Ingénierie, Franck Boutet, Casso, parce qu'il y a tout un volet réglementaire qui est complexe et qu'on voulait vraiment appréhender, et puis BMF pour le contrôle de l'économie.
Et donc, on a pris deux cas de figure des volumétries qu'on avait engagées, dessinées. Et puis, on s'est dit, bon, on va prendre ces deux cas de figure et on va les étudier, les comparer, les mesurer, les quantifier sous différents modes constructifs pour qu'on arrête tous autour de notre table de discuter et qu'on puisse vraiment mesurer les choses et les comparer de factuellement, techniquement, comparativement. Et donc, on a pris on a décortiqué, en fait, en fonction des objectifs. Alors, qu'est-ce qui se passe si on est bâtiment durable facilien? Qu'est-ce qui se passe si on est BBCA, je ne sais quel critère? Qu'est-ce qui se passe si... Donc, en fonction de tous ces entrées, on va dire, on a comparé les bilans carbone, on a comparé l'efficience thermique, on a comparé le taux d'intégration des matériaux bio et géosourcés, on a comparé les complexités auxquelles on faisait face par rapport au caractère de la réglementation. Sécurité incendie qui d'ailleurs évolue assez rapidement, on a comparé aussi l'économie. On a, en fait, grosso modo, la conclusion, après avoir fait des grandes familles et plein de variantes dans ces familles, on a regardé un mixte bois-béton, qui est assez classique. On a regardé un mixte bois sous la forme du CLT, par exemple, avec du béton de chanvre. On a comparé de la pierre massive avec des planchers mixtes, par exemple, bois-béton. On a regardé aussi comment ces matériaux pouvaient être utilisés dans le socle, c'est-à-dire dans tous les éléments qui sont de l'activité, des espaces communs, donc qui ont des règles spécifiques d'incendie particulières. On a regardé aussi comment on pouvait anticiper, suivant la matérialité mise en œuvre, une flexibilité d'usage pour ces locaux commerciaux qui peuvent prendre une trame, deux trames, trois trames, puis tout d'un coup on recloisonne, puis on décloisonne. Donc essayer d'anticiper l'évolutivité. De la même manière, on a regardé comment ça se passe sur les étages courants, sachant que nous, en plus, on avait prescrit un dispositif qu'on appelle en saillie, qui peut être du bow window, de la loggia, parce qu'on avait une orientation qui était incroyable sur un parc qui vient d'être livré, mais en même temps qui était plein nord. Donc l'intérêt, c'était d'avoir un maximum de vues sur ce parc, créer cette sorte de vibration et de mouvement en façade pour aller chercher un peu de lumière de l'est, un peu de vue à l'ouest. Et encore, le même dispositif décortiqué pour ce qu'on a. On a des doubles attiques qui sont des logements un peu spécifiques en tête. Et donc tout ça croisé avec différentes épaisseurs d'isolation, différentes natures d'isolation, avec simple flux, double flux, avec des caractéristiques de vitrage, plus ou moins double vitrage, du triple vitrage, avec aussi une modulation sur le taux d'ouverture des façades. Qu'est-ce qui se passe si on a 35%? Qu'est-ce qui se passe si on va jusqu'à 45%? Qu'est-ce qui se passe si on va jusqu'à... Donc ça nous a fait des tableaux croisés improbables, beaucoup de nœuds au cerveau. On est parti de cette espèce de... On avait appelé ça je sais plus, le tableau des possibles ou quelque chose comme ça. Parce qu'on a aussi décortiqué en fonction de la manière dont on utilisait ces matériaux, structurels, isolants, habillage ou vêture. On a toute une gamme des possibles ici, qui vont de la pierre, de la terre crue, de la laine de mouton, du bambou, du mycélium, de l'ouette, de cellulose. Et on a aussi comparé l'organisation des filières de tous ces nouveaux matériaux, ou très empiriques, au contraire. Est-ce que c'est des filières structurées? Est-ce que c'est des filières émergentes? Est-ce que c'est des filières qui sont capables d'alimenter? Tout le monde a sans doute entendu parler des bâtiments qui sortent pour les JO, où on voulait être exemplaire, avec du bois, et en fait on se rend compte que c'est pas si simple, et en plus il y a la préfecture qui a changé la donne d'un point de vue sécurité incendie. Et donc voilà, on a finalisé cette cartographie. La conclusion, grosso modo, c'est qu'on réinvente un peu l'eau chaude, mais c'est un peu comme de l'osmanien, c'est-à-dire que la meilleure combinatoire, c'est quand même d'aller chercher le matériau le plus adapté à chaque fois, en fonction de ses usages, s'il est structurel, s'il est horizontal, s'il est vertical. Et donc la mixité dont a parlé la personne de chez Verica, et c'est ce vers quoi il s'oriente, et c'est sans doute pas innocent, c'est que la monomatérialité qu'on a tous connue avec le tout béton, qui a été un peu, à un moment donné, c'était même sorte de réflexe, quoi. Avec toutes ces exigences environnementales dont parlait Jean-Jacques au tout début, elle va nous pousser à hybrider les structures, à hybrider les matériaux et à travailler en complémentarité en essayant d'aller prendre à chaque fois le meilleur et le plus efficace en fonction de ce pourquoi il est utilisé. Je crois que nous avons fini. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. En plus d'être bien organisé, d'avoir envoyé vos présentations avant, vous avez fait. On est largement dans les temps, donc place aux questions.
bonjour. Une question très simple, est le bilan de votre comparatif en dehors de ce que vous venez d'expliquer, je veux dire. Le bilan comparatif? Alors, le bilan, il est très complexe, je suis incapable de vous le résumer. J'ai essayé en vous expliquant que le bilan, c'est que la mixité est, en fonction de notre étude, hein, je suis pas... donc la conclusion, elle est assez complexe puisqu'il y a énormément de paramètres. Pour essayer de synthétiser, c'est bel et bien la mixité. On réessaye. Non, et donc la conclusion, elle est là c'est vraiment très synthétique, mais c'est énormément de tableaux, c'est très technique, c'est très documenté, et je suis incapable de vous faire un résumé. Ça nous a permis, nous, à Chapelle Charbon, de valider certaines ambitions, aussi dans la discussion avec les bailleurs, de les emmener vers... parce que, en fait, ils ont tous signé des chartes bois biosourcées, des engagements incroyables, sans forcément, je pense, à l'époque, mesurer exactement là où ça les emmenait. Donc, il y a eu un petit électrochoc, parce qu'en fait, on arrive quand même avec des montants des coûts de travaux qui sont assez ambitieux, élevés. Et en même temps, ce projet, il est porté par la ville pour en faire un vrai démonstrateur. Donc, je pense que ça va peut-être faire date dans une espèce d'étape nécessaire pour après que ça devienne presque un peu plus la norme. Mais... donc ce cahier, c'est pas un cahier des charges du tout, c'est une sorte de grosse boîte à outils qu'on imagine, nous, très utile pour les concepteurs, pour essayer de les faire démarrer plus vite, parce qu'il y a tellement d'entrées possibles que c'est peut-être utiliser, tirer les tiroirs et prendre ce qu'ils ont envie de prendre, parce qu'à la fin on n'impose rien du tout. On sait qu'on veut dans cette ZAC des bâtiments qui soient parisiens, on sait qu'on veut pas de vêtures en façade en bois parce que ça vieillit pas bien en ville, et puis parce que la pollution attaque le bois, et que c'est pas... On a déjà fait pas mal de bâtiments en bois avec des vêtures en bois, donc le débat n'est pas là, mais c'est que Jean-Jacques disait, on a à peu près trois manières, nous, d'aborder le projet. C'est un, le contexte, et le contexte fait ici que nous, on imagine plutôt un peu de dignité dans ce quartier qui est malmené, essayer de ramener un caractère parisien, et le caractère parisien, il passe par un bâtiment qui sera minéral. C'est-à-dire que ça peut être de l'enduit, ça peut être de la pierre, ça peut être peut-être d'autres propositions, mais donc cette boîte à outils, elle est donnée en parallèle de la fiche de l'eau, elle fait partie des éléments qui sont transmis au concepteur, et en parallèle, parce qu'on aime bien faire des petites publications, qu'on avait fait notamment une petite publication sur le bâtiment en pierre, on est en train d'essayer de le rendre digeste et compréhensible pour que ça puisse servir à tout le monde. Ce qui est dit, parce qu'on ne répond pas en fait, mais la réponse, elle est quand même que c'est spécifique en fait. C'est-à-dire que on peut pas, qu'on a essayé à un moment d'extrapoler les choses, ça ne s'extrapole pas en fait. C'est Antoine Lally, c'est des façades plein nord avec des beaux windows très spécifiques, avec des volumes spécifiques, avec des niveaux, avec des hauteurs, avec des faces qui sont à l'ombre. Voilà, donc les choses, elles sont la réponse. C'est normal, on ne peut pas généraliser les choses. Et moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est par rapport à la représentation de Verrecchia tout à l'heure, je ne m'attendais pas, parce qu'on ne s'est pas concerté, à la fin, quand il passe de la pierre et au moment où il dit, en fait, mais nous, on continue à regarder le reste. Voilà, on a voulu faire cette pirouette qu'on n'était pas une, parce que c'est que... ouais, je pense que c'est... Déjà, parce que c'est ce qui nous porte, c'est ce qu'on connaît. On va plutôt spontanément vers ce qu'on ne connaît pas, ou la marche d'après, ou la chose. Mais donc, c'est la spécificité, elle permet de pas répondre. Deux, quand même, ce qui est quand même pour nous vraiment important, c'est de ne pas s'enfermer dans une possibilité, même si il y a des critères qu'on n'a pas rentrés, c'est aussi l'appétence de chacun pour un matériau. C'est aussi l'envie. C'est vrai que la pierre, je sais que nous, on a malheureusement perdu beaucoup de concours en pierre récemment, mais on aimerait y retourner plus souvent. Pas plus de questions. On n'a pas résolu le problème technique, mais il s'est arrêté tout seul comme ce matin. On va croiser les doigts pour que ça continue.
Eh bien, question. Merci beaucoup.